Salut Léa. Bon, salut Jean. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? T'as fait bonne route? Très bonne. Bah écoute, bienvenue à la plage de Tarnos, hein, au métro. C'est gentil. Tu veux me rendre visite? Bah oui, j'ai découvert qu'on partageait la même passion, la danse. Du coup, bah j'ai étudié ton style pour faire quelques petits pas avec toi. Hein. Ah ouais, c'est une belle technique. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses de mon style? C'est pas mal quand même, non? C'est pas mal, mais les potes, elles sont pas terribles. Hein. Ouais, je sais. Moi, j'en ai fait que 10 ans, donc c'était un peu difficile pour moi. Écoute, on n'est pas là pour ça en tout cas. Comme tu peux voir, il y a quelques plans, je surfe. Viens et moi, on va se changer. Adieu. Ça va? Salut Jean. Tu vas bien? Ça va. Je te présente Léa. Bonjour Léa. Enchanté. Là on fait une petite initiation au bodyboard, on va faire une session aujourd'hui. Donc on aimerait deux planches si possible. J'ai tout ce qu'il faut dans le local là. Allez nickel. Bon Léa, t'es prête? Je crois ouais. Bah apparemment il y a des vagues de 3 mètres. Hein. Mais bon t'as du mental, je pense que vu ton niveau de danse ça va le faire facile. Ah, les voilà le matériel, ah, merci. Les bonnes planches de bodyboard. Merci. Tiens. Bon mais je crois qu'on est parti pour la session. Hein. On y va. Allez c'est parti. Nous voilà, écoute, voilà le set, le spot, il est sur ta droite là tu vois. Ouais. Loin ça a pas l'air trop gros mais je pense que ça allait un petit peu en fait. Mais tu vas voir ça va bien se passer. Allez. Ok, on y va. Et mais pourquoi t'as ton maillot avec toi? Ah ça ouais, ça je le quitte jamais tu vois, je vais t'expliquer bien. Ok. Je t'apprends 2-3 rudiments là pour prendre des vagues. Première chose, s'accrocher à la planche, c'est important en cas de coup dur. Donc tu mets ton bras sur le biceps, tu serres bien comme ça. Voilà, c'est vraiment ta sécurité ce leash. La position idéale c'est être allongé comme ça, tu vois. Le buste un peu redressé, les avant-bras collés sur l'avant de la planche. Et quand la vague arrive, tu palmes, tu palmes le plus fort possible. Pour tourner à droite, c'est simple, tu mets ton corps sur le côté droit. Et pour tourner à gauche, tu mets ton corps sur le côté gauche. Voilà. Ok. Tout simplement. Après, quand il y a des vagues que tu dois passer dessous, tu lâches la planche, tu prends ta respiration, c'est conseillé, et tu passes sous la vague. Et il ne faut pas paniquer, tu vas prendre quelques remous, tu vas remonter assez facilement. D'accord. Bon, moi, avant de démarrer, toujours un porte-bonheur, c'est le maillot. Quoi que je fasse, toujours un petit maillot dessus, c'est le totem, c'est le porte-bonheur, c'est celui qui fait la différence. Allez. Allez, on est parti. Je rame, la vague m'emporte, les mains sous les épaules et hop! Voilà, c'est pas mal. Ok, c'est bien. Surf ou danse? Ah, sans hésiter, le surf. Ah ouais? Ah, je pourrais changer là. C'est vrai? D'accord. Ouais. Bon, bah tu t'es éclaté, non? Ah, c'est super. C'est vraiment, c'est top. D'accord. Cool. Bon, t'as pris quelques vagues quand même, ça va? Ça, tu t'es pas mal débrouillé, non? Ça va, j'ai réussi, j'ai géré un peu, je pense. Bon, en tout cas, félicitations parce que tu es courageuse de sortir au mois d'avril, là, il fait quand même assez froid. Mais si je vois que t'es pas trop frileuse, ça va. Et bon, ben voilà, écoute, bonne expérience en tout cas, et puis. Maintenant je crois qu'on a bien mérité d'aller dîner je crois. On va manger. Bah, moi tu vois je suis ni bon en surf ni bon en danse en fait. Donc ma vraie passion ça reste le rugby mais...